Et c'est parti pour l'épisode 57. Où on va aller le chercher, il est là-bas. Hop, à gauche. Ah. Vous êtes content maintenant? Les voilà, vos maudits cœurs! Je vous les offre! Il va pas très bien. Marcheur blanc, délectez-vous! J'essaie de m'arrêter. Morse, te voilà enfin. Et tu as ramené ton ami. Formidable. Il ne manquait plus que vous. Adam, c'est toi qui assassines nos frères pour leur arracher le cœur. Ces salopards. Ils ont tenté de me faire chanter. Je ne sais toujours pas lequel d'entre eux c'était, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Je les aurais tous eus. C'est de la folie, Adam. Tu es dans une impasse et tu n'as aucune chance de t'en sortir. Je ne suis pas tout seul, Morse. Ils me parlent. Depuis ce jour où les sauvageons m'ont forcé à dévorer le cœur de ce pauvre Argilac, les marcheurs blancs. Ils veulent d'autres sacrifices, encore et toujours. Personne ne te parle, Adam. Tu as juste perdu la raison. Et maintenant tu vas mourir, au nom de tous les crimes que tu as commis. Tu peux toujours essayer, mais ils ne me laisseront pas mourir. Okay. Alors, le chien. À terre. Toi. Ah, du coup, s'il est à terre, on va attendre deux secondes. Il est à terre. Darme manticore. Tourment. Piqûre. À terre. Récupère. Tourment, récupère. Toujours pas. Ce pauvre fou aura réussi à emporter son ancienne patrouille dans la tombe. Peu de gens auraient pu résister à ce qu'il a vécu. Je n'avais pas conscience de la puissance de ses forces au-delà du mur. Ces marcheurs blancs sont des ennemis directs du maître de la lumière. Et les deux ne sont que des élucubrations sans fondement. Comme le fait que tu te tiennes vivant devant moi. Tu marques un point. Allez, on va aller retourner valider ça. Il faut pas oublier qu'on a une deuxième quête aussi. On est venu ici, c'était pour aider Mima. Il nous avait demandé un coup de main pour protéger les bâtisseurs. Ou on va régler celle-là aussi. J'irais bien refaire un tour vite fait dans le don. C'est ici qu'on avait une quête annexe avec le chien au chapitre 3. Du coup, on va voir si on peut le faire. On va voir si on peut le faire. Alors, je sais où se trouvent les trésors, donc je vais juste vérifier s'ils y sont ou pas. Après, c'est possible qu'on les ait déjà ramassés aussi. Hein. Et je pense que c'est le cas, mais que la quête s'est pas déclenchée. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, château. Côté. Côté. Là. Donc il faut qu'on aille revoir Duncan et après on ira voir Mima. Et notre pote Patrick devrait être libre. J'ai retrouvé Adam. Il était bien à l'origine de tous ces meurtres. C'est pas croyable! Cette patrouille, il y a 3 ans, où il disait avoir échappé aux sauvageons.
Ils l'ont relâché, après qu'il ait accepté de dévorer le cœur du frère juré qui avait été capturé avec lui. C'est horrible! Qui aurait pu imaginer ça? Il pensait que cette histoire était enterrée pour de bon, mais quelqu'un connaissait son secret et a commencé à le faire chanter. Il s'est mis en tête que ça ne pouvait être qu'un des membres de sa patrouille. Alors il s'est mis à les tuer un par un, en reprenant l'horrible rituel de l'époque. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Il n'était plus le même. Quand je l'ai retrouvé dans la forêt, il parlait de marcheurs blancs et il entendait des voix. Et what? Il était déjà mort quand j'ai atteint Adam. J'ai rien pu faire. Par les sept. Quoi qu'il en soit, ce monstre est désormais mort. Je pense que nous n'avons plus rien à reprocher à Patrick. Effectivement. Nous le relâcherons plus vite, dès que le Lord Commandant sera prévenu du dénouement de cette affaire. Te remercie du fond du cœur, Morse. Tu vas pouvoir reprendre ta garde maintenant. Ouais, je suppose. Toute cette affaire m'a vraiment retourné. Mes frères m'ont si vite tourné le dos. Pour beaucoup, je n'ai jamais vraiment été des leurs. Tu es un frère de la garde de nuit, Patrick. Personne ne peut nier cela. Nous verrons. C'est bon. Hop. Alors, journal de quête. Activer la quête. C'est dedans. Bon. Je suppose que là, on va avoir un peu de combat, puisqu'il faut... Il faut défendre le bâtisseur, d'après ce que j'ai compris. Il est à l'étage ou il est en bas? Il est à l'étage. Bon, on va y aller. Ouais, c'est toujours lui qui veut me parler. Au revoir. Salut à toi, Morse. Je ne t'ai pas oublié, Walder. Que les sept te gardent du froid et de la... Non, il dit rien. Que les autres m'emportent, Morse. Ton visage. Que t'est-il arrivé? C'est une longue histoire, Mime. Je la raconterai une autre fois, si tu veux bien. Dis-moi plutôt ce qui se passe ici. Tu as reçu mon message, n'est-ce pas? Après la débandade de la tribu de Gorn, nos frères bâtisseurs se sont rendus à Glacière pour refermer la porte. D'autres sauvageons avaient eu le temps de passer au sud du mur et de se camoufler aux abords du chantier. Ils leur sont tombés dessus en force. J'étais là pour assurer leur protection, mais rien ne s'est passé comme prévu. Les fils de chienne étaient insaisissables. Ils tombaient sur un gars isolé, lui arrachaient le cœur et disparaissaient dans la forêt en un souffle. Trois sont morts comme ça. De vrais sacrifices sauvageons. Il n'y avait rien que nous puissions faire. Nos frères connaissaient les risques. La priorité était de refermer le passage. Les travaux ont été achevés au moins. Oui, les portes sont solidement closes. Je souhaite bien du plaisir à ces sauvages pour les rouvrir. C'est une bonne chose. On ne peut pas se permettre de laisser une ouverture béante dans le mur. Et les sauvageons, que sont-ils devenus? Ils sont toujours là dehors. Une fois nos frères en sûreté à Château Noir, j'ai ramené ma patrouille vers Glacière, mais les sauvageons ne nous avaient pas attendus. Nous avons besoin de toi, Morse. Il faut que tu m'aides à les retrouver avant qu'ils ne fassent trop de dégâts sur les terres du Don. Qu'on dit dépisteur, ils ont des traces? Où dois-je commencer à chercher? Les sauvageons évitent Château Noir comme la peste, ça c'est certain. Mais leur course semblait les mener en direction de la Maule. Ennuyeux. Mieux vaudrait que les villageois se barricadent dans leur tunnel pour un temps. Peux-tu te rendre sur place, Morse? Si les sauvageons ont laissé la moindre trace de leur passage, tu la trouveras. C'est d'accord, Mime. S'ils sont à la Maule, je les trouverai. Merci, mon frère. Prends garde à toi. Ces sauvageons savent se faire discrets, rappelle-toi. Je n'aimerais pas que tu tombes dans une embuscade qui m'était destinée. Si c'est le cas, je leur ferai regretter de n'avoir pas mieux regardé. À bientôt, frère. Allez, on va filer un petit peu de main. C'est le coup pour bientôt. Je le sens. Ouf, on retourne à la Maule. Quitte à être là-bas, on rejettera un œil, voir si on peut ouvrir la chambre de Jane, mais j'ai des doutes. Allez, on va partir par là-bas. Hop là. Du coup, la Maule. On va essayer de choper leur odeur avec le chien.
Allez, hop, une carte. Et du coup, on va y aller avec le chien. On verra bien. Alors, pour l'instant, c'est plutôt calme. Ils sont peut-être déjà arrivés au village. Ça a l'air d'être le cas. Pour l'instant, il n'y a rien. Ah, il y a quelque chose. Bon, en rigueur, on ne sait pas trop de quoi il parle. On peut venir là aussi, bon, puis on peut rien voir avec le chien, du coup Morse va devoir se taper tout le trajet à pied. On va essayer de pas se planter ce coup-ci, on va finir vers le lac. Hop. On est au bout d'un moment. Donc voilà vers les trois comploteurs. Assez parlé pour aujourd'hui, mes mignons. Un des hommes du vieil ours arrive. Un corbac. Plus bas, Arson. Allons-nous-en, c'est tout. Oh, oh, oh. Je suis le seul à les trouver louches, ceux-là. Ils ne me plaisent pas non plus. Nous ferions bien de les suivre. Les mecs sont partis par là. On va essayer de les retrouver en passant. Ah, on aurait pu descendre du côté de l'autre côté. Elle est le chien. Hop. Ah, ça va, elle est visible cette odeur. Tous ceux qui ont accepté de traiter avec les types en bleu sont morts. Je sais pas de quoi il parle. Le boucher qui l'appelle. Il a tué tous ces picassiettes du sud et les contrebandiers qu'il faisait affaire avec eux. Tous en même temps. Merde en haut, et ta sœur, comment va-t-elle? Hop. À ton avis, ouais. Elle est dévastée. Bon, lui. Je la garde chez moi pour l'instant avec les garçons. Elle refuse de rentrer chez elle. C'était pour ouvrir ce passage secret. Raté. Raté. Alors, où est-ce que tu te caches? Je te cache là, je peux pas l'appeler. Hop, t'es là-dedans. Qu'est-ce que vous venez foutre là? C'est chez moi ici. Pas de ça avec nous. T'as cru nous semer en te terrant dans ton trou à rats. N'essaie pas de jouer les innocents. Mon ami a des questions à vous poser. Le connaissant,
je vous conseille d'y répondre. Oui, bien sûr. Je suis à votre service. Les deux hirsutes à qui tu causais là, dehors, c'était qui? Des clients, messieurs. Des paysans libres du don. Ils sortent rarement de leur ferme paumée, alors ils sont un peu rudes. Mais c'est pas des mauvais gens. Ah ouais. Ils m'avaient pas l'air de fermier, et j'ai du nez pour ces choses-là. Pour tout vous dire, c'était leur première fois à la Môle. Je les avais jamais vus avant. Mais pas de quoi fouetter un chat pour ça, si? Il y a des masures tellement isolées que c'est à peine si les occupants savent trois mots de langue commune. Alors, quand ils viennent par ici, ils ont du mal à passer inaperçus. Un peu maladroits, si vous voulez. Tout ça ne me dit pas pourquoi toi et tes pouilleux avaient décampé en me voyant. N'essaie pas de me la faire à l'envers. J'ai l'oreille plus fine que tu crois. Tu sais ce que je crois, moi ? Tes fermiers, ce sont les sauvageons dont parlait Mimin. Et toi, t'es une de ces raclures de contrebandiers qui les fournissent en armes. Cela fait de toi un traître à notre ordre, et donc un traître au royaume. Je devrais t'abattre sur place, et pisser sur tes restes. Mais tu as de la chance. J'ai besoin que tu me racontes ce que tu sais avant. Dis-moi ce que je veux savoir, et j'épargnerai peut-être ta vie. Maudit Korbach. Faut toujours que vous sachiez tout sur tout, pas vrai? Vos histoires avec les sauvageons, c'est pas mes oignons. Je fais des affaires, moi. Dites-moi ce que vous voulez savoir et qu'on en finisse. Je dois les trouver avant qu'ils ne saignent tout le don à coups de hache. Dis-moi où se trouve leur campement. Je l'ignore, ils se cachent. Tout ce que je peux vous dire, c'est où je devais les rejoindre pour la livraison. Il y a une trappe qui permet de passer des galeries de la Môle à la forêt alentour. Les sauvageons devaient guetter mon arrivée et me retrouver là-bas. Je crois que nous en avons fini ici. Que comptes-tu faire de lui, Morse ? Hein ? Lorsqu'un frère trahit la garde de nuit, il le paie de sa tête. Cette vermine ne mérite pas meilleur traitement. Non, attendez ! Vous m'aviez dit que vous me laisseriez tranquille si je parlais. J'ai dit tout ce que je savais. Peut-être, mais j'ai changé d'avis. Saleté de charognard ! Tu vas voir ! Hé, les gars! Skorbach croit pouvoir faire la loi chez nous! Et on va laisser la faire. Non, lui, il a pris tes copains. Bon, c'est vite réglé. Du coup, il faut qu'on sorte par le souterrain. Pas de butin. Comment on y va là-bas? Par là. Ça me semble pas mal. Trouver les sauvageons. Alors, ils doivent guetter notre arrivée par ici. Ils sont arrivés. Parce qu'on a une petite carte de la région. J'ai un chien sur. Sur le blanc, on la voit pas bien l'odeur. Ils sont juste là. Bonjour, c'est nous. Arson, là! C'est celui qu'ils appellent le boucher. Le troqueur ne viendra plus. Tu peux le dire, vermine. Je viens vous donner en pitance à vos dieux blancs. Tissel, Phil, va avertir Sabrak. C'est un zoomon imbécile. Il me suivra n'importe où. Nous le retiendrons. Va maintenant! Il y a quelque chose que je dois reconnaître à ton peuple, gamin. Vous savez mourir dignement. Alors... Morse.
massacre. Alistair, change de cible à terre. Passe là, raté. À terre. Récupère, récupère. À terre. Tourment, piqûre. À terre. Alors, il faut la poursuivre. Le chien. Bah non. Alors, par là. On a franchi le pont. Il est parti. C'est par là. La fille a filé à toutes jambes. Elle n'a même pas pris la peine de brouiller ses traces. Tu sais où elle va ? Ouais, c'est le sentier qui mène à Glacière. Ces enfants de putain sont retournés s'installer sur les lieux de leur crime. Dépêchons. Je ne sais pas ce que nous prépare la sauvageonne, mais je tiens pas à lui laisser trop d'avance. Tout ce que tu voudras. On gèle dans cette forêt. Bon. On va peut-être les retrouver. Mon frère est en train de se battre seul face au boucher. Il faut y retourner, tu dois l'aider. Non, il aurait dû courir comme tu l'as fait, femme. Arson est plus brave qu'il n'est intelligent. D'ailleurs, il est sans doute déjà mort à l'heure qu'il est. Regarde qui arrive. Non, Arson ! Boucher, je suis le maniar Sabrak. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu portes la mort, comme tous tes frères corbeaux. Mais le peuple libre raconte que tu cours la nuit avec ton chien et que tu connais les arts des aumans. Une rumeur curieuse, vraiment. Peut-être n'es-tu pas aussi borné que ton manteau noir veut le faire croire. Peut-être peut-on parvenir à un accord. C'est la première fois que j'entends l'un de vous autres parler d'accord. Tu dois être vraiment désespéré, Magnard. Épargne ma tribu, Boucher. D'ici quelques jours, nous serons partis et vous n'entendrez plus parler de nous. Inutile de faire couler le sang pour si peu. Tout ce que nous voulons, c'est vivre en paix, au sud du mur. Nous partirons loin des corbeaux, loin de votre forteresse. Nous disparaîtrons de votre vue. N'est-ce pas suffisant ? Non. Il est trop tard pour implorer grâce, Magnard. Ma patrouille a été massacrée ici même pour que vous puissiez passer. L'œuvre de Gorn, pas la mienne. Crois-moi, le boucher. Nous sommes ici en paix. Votre place est au-delà du mur. Là-bas, tu aurais eu toute la paix que tu voulais. Non. On ne retarde pas la venue de l'hiver. On ne demande pas de paix avec les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs ? De quoi parlent-ils ? Les autres. Ils parlent des autres. Nous devons prendre soin de nos familles, Corbeau. Ton mur protégera nos femmes et nos enfants de la mort blanche. Je suis le bouclier protecteur des royaumes humains. Quoi ? Ce sont les vœux que j'ai prêtés à mon ordre. Le devoir de la garde de nuit est de protéger les hommes des horreurs d'au-delà du mur, quelle que soit leur origine. Dans quel camp mettrais-tu les sauvageons, alors ? Dans celui des hommes ou celui des horreurs ? Je ne sais pas. Un peu des deux, je suppose. Je ne suis qu'un étranger, ici, mais ils ont l'air assez humains, à mon goût. Ouais. Je sais ce que c'est de perdre sa famille. Je ne peux pas vous reprocher de vouloir les protéger. Ta tribu peut partir, Magnard Sabrak. Que tes guerriers sachent qu'ils doivent leur survie aux pleurs de leurs femmes. Et pas de raid. Vous n'aurez de paix que si la garde de nuit ignore votre présence. Aux premières rumeurs de ferme incendiée, je viendrai personnellement prendre ta tête. C'est bien compris. Il y a toujours des fortes têtes, mais je leur expliquerai. Merci, le boucher. Viens me rejoindre là-haut, près des feux. Nous pourrons parler plus à notre aise. Tu connais le chemin, je crois. C'est d'accord, j'arrive. On va voir ce qu'il veut nous dire. Maudit sois-tu, boucher !
Hop. Ouais, pas besoin de pause. On va arrêter l'épisode 57 pour ici. On verra ce qu'il va nous dire dans l'épisode 58.